Lewis Hamilton sera une expérience à nouveau sur les prochains Grands Prix, c'est confirmé. Il utilisera son expérience technique et ses connaissances comme solution temporaire au problème de Mercedes, que Mercedes ne sait pas résoudre. Il ajustera les réglages de sa voiture pour les différencier de ceux de son équipier tout au long du week-end. Mais ce n'est pas que le pilote britannique ne fasse pas confiance à Mercedes, un tel message serait trompeur. Il veut simplement que Lewis impose son expérience d'association forcée avec des problèmes qui existent encore. Ouais, bah voilà, le début de saison va être un remake de 2022, il va tester des trucs, il va être derrière Russell. Tout le monde va dire, mais il est finito, Lewis! Regardez, il est derrière Russell! Ça, je vois venir gros comme une maison. Alors qu'au final, il va servir de cobaye encore une fois pour cette équipe qui est complètement perdue. Bon, au moins chez Ferrari, ils n'ont pas l'air perdus. Ils savent ce qu'ils font, même s'ils sont un peu plus loin que Red Bull. Au final, ils ont l'air droit dans leurs bottes, ils font pas des tests avec les pilotes, etc. Ils ont l'air de savoir où ils vont. Au contraire de Mercedes. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il a bien fait de quitter cette équipe, parce qu'au final, ça va s'empêtrer dans la médiocrité en fait. C'est dommage. Allez, ciao.